Et tout le monde qui j'en ouais, c'est bon Cliff. Hier, m'gè un monde moi qui relèm qui mandé pour m'aller avec lui dans welfare. Parce que m'a fait une application pour lui, il dit comme ça, il t'a besoin de chercher proof of benefits là. M'dit pas de problème, c'est famille. M'dit m'a prendre nos services là, m'a bon ou libre là. Puis là m'y vend dedans, moi une dame qui campait, dame là choquée, dame là émotionnelle, mais elle pas parler anglais bien. Li relèm li dit bon Cliff. Mais mon yo parle un bagage avec moi là, me pas comprendre. Est-ce qu'elle parle à mon yo pour moi? Elle dit OK, pas de problème. L'homme le côté mon yo pour demander au sac passé, dame n'a pas bien comprendre ça n'a dit là. Il dit me comme ça. Dame non, lui même à Maril année passée que saute passé là, il t'a travaillé. Yo fait environ $13,000 par mois entre yo, yo deux là. So pendant toute fois ça yo t'a travaillé yo t'est toujours à recevoir food stamp. Ça veut dire yo pas jamais déclaré que yo pas gagné y a travail pour yo t'est capable couper bénéfice là. Yo estimé depuis l'heure dame n'a t'a travail là dame n'a recevoir environ $28,000. Kounya là yo dit dame n'a li même à Maril c'est pour yo payer comme ça bac $28,000. Qu'est-ce qu'on fait qu'on est? C'est parce que depuis qu'on travaille, premier bagaille l'on travaille pour gagner c'est social sécurité. So depuis qu'on gagne social sécurité, il automatiquement aller dans système l'état. So si on travaille ou pas déclarer du on travaille pour yo couper bénéfice là, il y a toujours continuer baoul parce qu'on pas connait. Et puis à la fin y a vinn ouais que ou t'a travail le année fiscale la fini depuis c'est l'argent ou t'es prend dans moment t'a travail yo eh bien y a faut payer tout bac dame na avec Marily yo fait $113,000 pour année a yo t'a fait environ $13,000 par mois mais yo gen l'autre job t'a coup Instacart DoorDash etc yo fait sous côté là yo combine income de moun yo fait $113,000. So ici les deux moun ap travay ensemble yo fait $113,000. Li yon bon ti kòb. So lò fè jan de kòb sa yo, ou pa ka recevoir bénéfice. Et ben dame nan recevoir bénéfice, l'ap travay en même temps. So dame nan li même mari la, yo ki pou al paye $28,000. So ou même ki vini site ka recevoir food stamp, ki ap travay, ki pa le reporter ça nan Department Human Services. Eh bien, il faut payer l'agent ça dans fin année. So, si vous ne voulez pas payer l'agent ça, food stamp, Medicaid, bon, pas dit pour Medicaid, non, food stamp avec cash assistance. Si vous ne voulez pas payer l'agent ça, immédiatement, j'en ai un job, c'est pour aller dans le bureau, pour aller déclarer, faire qu'on est que, ou recevoir, ou travail, mais qui quantité qu'on doit faire, yo même y a déterminé est-ce que quantité qu'on doit faire, ou car toujours recevoir aide là, ou bien si c'est pour couper. Mais si vous recevez l'argent dans Human Services et pour travailler en même temps, il faut payer l'argent puis devant. So, une fait cette vidéo ça c'était pour me expliquer nous ça qui passé et me pas t'aimer yon l'autre monde prend dans piège ça encore. Moni si vous pas imbécile, vous pas égaré ou pas cap travail pour y a bon bénéfice. Et puis si vous travaille tout, vous êtes obligé à recevoir l'argent l'état même. Ou pas être très parasite non sens. C'était bon Cliff, merci en pile, partagez cette vidéo ça, la paix bon Dieu à vous. Oui, n'ta oublié, sous fait rentrer dans pays a ou pourquoi appliquer pour TPS, cap travail, social, résidence etc. I don't know. Mais numéro de téléphone moi en bas vidéo ça, 619 900 4648, c'est numéro pour entrer en contact avec moi pour m'aider nous faire toute application immigration que nous avons pour nous.